ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60 116 Digital Cable Téléméga Star avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne 60. Bienvenue à cette émission Ombre et lumière où l'art s'interroge. Je profite de par cette émission pour saluer à tous ceux qui sont branchés la chaîne 60 de la Téléméga Star. Bonsoir à mon ami Saint-Phare, Sixto, Gabriel, Monsieur Gabriel Zéphir, Madame Gina Strémont, Madame Maryse Desmerziers, Sardin. Bonsoir également à Elisabeth. Bonsoir à Marie-André, bonsoir à Esther, bonsoir à Cindy et à tous ceux qui sont réellement passionnés de cette émission Ombre et Lumière. Aujourd'hui que nous allons vous présenter Jasmin Joseph. Puisque le but de cette émission, c'est juste à pouvoir donner et redorer l'image de la peinture haïtienne tant sur le plan national et international. À vous parler de Jasmin Joseph, artiste peintre de la génération 50. Qui est Jasmin Joseph? Avant à pouvoir vous présenter dans toute son intégralité cet artiste peintre qui est haïtien, qui est passé de présentation, il faut bien savoir, c'est un artiste, il est orphelin à l'âge de 10 ans. C'est grâce à une de ses tantes qui lui a donné une certaine éducation. Mais Jasmin Joseph lui-même ne savait ni lire ni écrire. Son vrai langage, son savoir, c'est juste par rapport à ses peintures, par rapport à ses œuvres d'art. Malgré tout, cette année, juste pour donner une autre image à la peinture haïtienne, il y a le Centre d'art, sous la direction du Centre d'art avec Louise Perrichon-Jean et Axel Lyoto, les œuvres de Jasmin Joseph finissent par entrer dans le patrimoine culturel haïtien. Donc c'était une exposition de peinture du 15 novembre au 22 décembre 2016. Cette exposition, on a reçu à peu près de 1500 étudiants et universitaires, sans compter les collectionneurs d'art, les historiens tels que M. Sterling, Weber Lyons, même l'ambassadeur américain M. Peter F. Mulroney était présent. Je profite également ce micro pour lui saluer, et je vous le dis sincèrement, parce que c'est un grand collectionneur d'art. C'est un passionné de la peinture haïtienne. Juste pour ne pas perdre le fil de la mémoire, les œuvres de Jasmin Joseph demeurent, que on dirait, c'est une page dans l'art haïtien. C'est une figure dans l'art haïtien. Nous n'allons pas apporter un jugement profond à propos de ses œuvres. Vos observations vous permettront sans doute à découvrir ce talent. Malgré qu'il soit un artiste peintre méconnu, mais après avoir et qu'il a rencontré Jason Sellet, qui est un sculpteur américain, c'est lui qui a présenté Jasmin Joseph au Centre d'art dans les années 50. Depuis lors, Jasmin Joseph, il s'est attaché au Centre d'art pendant 38 ans.
Le parcours de Jasmin Joseph est aussi magnanime, aussi grand. C'est quelqu'un qui s'adonne à la nature, le monde animal et les scènes bibliques. Il a eu le temps de sculpter le cœur des anges et les 12 apôtres pour la cathédrale de Sainte-Trinité. Puisque notre émission, cette émission, c'est juste pour donner une autre image à la peinture haïtienne, je dirais et j'assume cette responsabilité, de par cette exposition, la peinture haïtienne finit par renaître. Comme je disais tantôt, à pouvoir pas vous parler de la peinture haïtienne, je ne dois jamais oublier ce grand nom, ce grand professeur, peintre et artiste, Deruyt Peter, dans les années 1944, qui a su révolutionner la peinture haïtienne. Sur ce, je vous invite à partager avec nous les propos que nous avons recueillis de la directrice du Centre d'art, Louise Perrichon-Jean. Merci. Qui est une maison patrimoniale sublime qui a été réhabilitée par la Focale après le tremblement de terre. Et elle a duré en fait du 15 novembre au 22 décembre, qui reste quelques jours pour la visiter. Et on a choisi de la faire sur Jasmin Joseph, cette deuxième exposition patrimoniale du Centre d'art après le tremblement de terre, parce que Jasmin Joseph était à la fois un artiste fondamental pour le Centre d'art, avec lequel il avait une exclusivité, et aussi parce que Jasmin Joseph est un immense artiste haïtien très très méconnu du public, du large public. Et donc, disposant d'une série d'œuvres de Jasmin Joseph dans la collection du Centre d'art rescapé, on peut dire, post-tremblement de terre, on a décidé de prendre cette série d'œuvres illustrant le conte du hibou pour exposer en fait notre seconde exposition patrimoniale. Donc, dans cette exposition, vous avez à la fois une série d'une vingtaine d'œuvres qui illustrent le conte traditionnel haïtien du hibou, mais vous avez aussi des œuvres sculptées, comme on peut voir ici. Donc, des œuvres sculptées qui font partie du début de carrière de Jasmin Joseph. Ça, c'est de l'argile ou bien... C'est de l'argile, tout à fait, puisqu'en fait, Jasmin Joseph a été découvert, pour la petite histoire, a été découvert par le sculpteur américain Jason Seeley. Et qui travaillait au centre d'art, qui donnait des cours de sculpture, et se rendant dans la zone de cabaret pour aller faire cuire ses sculptures, il a rencontré ce jeune ouvrier en fait, qui travaillait dans une fabrique de briques et qui faisait des petites sculptures.
Donc voilà, c'est le début de carrière de la Saint-Joseph en sculpture. On a pu récupérer donc ces œuvres de la Villa Créole. Ça donne une bonne idée en fait du travail de sculpteur de Jasmin Joseph. Ça date des années. Ça date des années 50 en fait. Et en fait, il travaillait les mêmes thèmes la plupart du temps qu'il a travaillé plus tard dans ses peintures. Donc beaucoup de scènes bibliques, d'animaux, des scènes très tendres entre les animaux et les hommes. Mais j'allais vous dire que Jasmin Joseph était-il réellement méconnu dans le public parce qu'il s'attachait au centre d'art. Il s'est découvert par un artiste peintre et sculpteur américain. Sans doute qu'il lui faisait la promotion de ses œuvres. De quel public donc vous voulez parler? Du public haïtien en fait. Il est très connu d'un public de collectionneurs internationaux. Il est très très bien coté parmi les grands artistes haïtiens qui se sont le mieux vendus, qui ont été collectionnés et achetés par les grands musées d'art. Donnez-moi un exemple. Il a une grande exposition au Brooklyn Museum. Okay. Brooklyn Museum et il a des collectionneurs américains qui sont très, très fans de ses œuvres. C'est aujourd'hui encore un des artistes qui se vend le mieux, mais qui se vend peu en fait. C'est très difficile de réagir déjà. C'est juste la suite de l'école de 1944, qu'avait fondé Doris Bieder. Est-ce que c'est le suivi de Doris Bieder? En fait, on a tendance à catégoriser le centre d'art dans un seul courant et dans un seul style, mais des artistes comme Jasmin Joseph, ou même comme Antonio Joseph, qui ne sont pas du tout frères, mais je prends ces deux exemples, sont des artistes à part entière qui ont développé un style à part entière. La seule chose commune peut-être, c'est que ce sont des artistes autodidactes, qui ont extrêmement bénéficié des cours au centre d'art, des cours de technique de dessin et des cours d'utilisation de la peinture et des couleurs. Mais après, ils ont développé un style complètement indépendant et je ne pense pas qu'on puisse faire une catégorie ou parler de peinture naïve pour Jasmin Joseph, ni pour Antonio Joseph d'ailleurs. Mais écoutez, parlons de ces artistes-là, de Jasmin Joseph, d'Antonio Joseph, qui n'est pas forcément famille, de même Wilson Bigot, Gisneramo et tant d'autres. Mais pour les générations futures, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont marqué et c'est quoi qui a marqué cette génération future? Ne pensez-vous pas, étant directrice du centre d'art, à pouvoir créer sans doute un jour ou l'autre, avec tous les artistes haïtiens, une place en mémoire pour les artistes peintres haïtiens? Bon, pour répondre à votre première question, ce qui, à mon avis, il faut garder de ces artistes-là, c'est que c'est ce qu'on essaye de valoriser à travers cette exposition et à travers le catalogue et toutes les publications qu'on a pu réaliser dans le cadre de cette exposition, c'est que ce sont des artistes qui ont eu un immense talent, qui étaient autodidactes, mais qui ont énormément travaillé. Il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes générations ont l'impression que très rapidement, en claquant des doigts, on peut accéder à un niveau de succès, à une renommée internationale. Ce n'est pas le cas. Et que ce soit Antonio Joseph, à travers des bourses qu'il avait eues aux États-Unis, ou Jasmin Joseph qui a énormément travaillé, c'est ça un petit peu la morale et les choses qu'il faut garder de l'histoire de ces artistes, c'est que ça demande énormément de travail, ça demande une carrière pour atteindre un niveau d'excellence. C'est une des grandes expositions que le Centre d'art, sans doute, a organisé. Il y avait celle de Lyon, n'est-ce pas clair? Alors en février 2016, la première exposition patrimoniale du Centre d'art, c'était pas seulement sur Lyoto, mais c'est vrai que Lyoto est très marquant, donc c'était sur les précurseurs du métal découpé. Il y avait Lyoto, Murat Brière, les frères Léjus, mais il y avait également Gabriel Bien-Aimé, Serge Olimeau et Damien Paul. Okay. Et Lionel Saint-Éloi. Ok, ça c'est la deuxième. C'est la deuxième exposition patrimoniale. Et en fait, pour 2016, depuis le tremblement de terre, nous avons repris les cours en 2015, qui était l'activité centrale du centre d'art, l'activité pédagogique. En 2016, nous avons repris l'activité de diffusion à travers les expositions patrimoniales. Et en 2017, on espère travailler sur les expositions d'art contemporain, donc de création contemporaine, puisque les artistes vivants ont besoin eux aussi d'être exposés, d'être valorisés. Donc ça, ce sera pour 2017. Puisque le but de cette émission, c'est juste à pouvoir donner une autre image à la peinture haïtienne, c'est juste à pouvoir repenser le marché de l'art au niveau
nationale et internationale. Mais Jasmin Joseph, vraiment quelqu'un qui a été découvert par un Américain, un artiste sculpteur américain, donc il a exposé dans plusieurs pays. Quelle est donc la réaction du grand public? Est-ce que vous avez vu pas mal de... Alors, on a nous-mêmes été démarchés, si je peux dire, les écoles. On a réussi à avoir plus de 20 écoles. C'est bien, c'est bien. Plus de 20 écoles qui sont venues visiter l'exposition. Et ça donne à peu près plus de 1300 publics scolaires. Ça veut dire plus de 1300 élèves. Sont de tout type d'écoles, des écoles nationales, des écoles congréganistes, des écoles privées, sont venus visiter l'exposition. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un partenariat avec Foodiza Théâtre, et qui organise chaque année le Conte en bâtonnelle, l'activité de festival Conte en bâtonnelle. Et on les avait mis à disposition du centre d'art et de l'exposition un conteur qui était là tous les matins pour commencer la visite pour les enfants avec le conte du hibou, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, qui était conté. Donc les enfants qui avaient entendu le conte conté par un conteur pouvaient rentrer dans l'exposition et avoir une autre approche et compréhension des tableaux. Donc c'était toute la démarche de médiation que nous avons choisi de mettre en place, parce qu'en fait, il est indispensable, et c'est ce sur quoi travaille le Centre d'art, de créer des vecteurs de compréhension pour le jeune public. Vous savez, certes, vous avez organisé cette exposition, mais pourquoi pas au Centre d'art? Est-ce que le Centre d'art n'est pas en égout, bien que, est-ce qu'il y a un problème avec le capitalisme? Et en fait, le Centre d'art s'est effondré au moment du tremblement de terre en 2010. Il est resté fermé pendant un peu plus de 3 ans. On a réouvert en novembre 2014. Et malheureusement, on a réouvert dans une... Alors, heureusement, on a réouvert, mais malheureusement dans une structure temporaire, c'est-à-dire avec des espaces aménagés, ouverts, pour accueillir les cours, mais pour accueillir une exposition de tableaux de valeur de celle de Jasmin Joseph, il était impossible de le faire dans un lieu complètement ouvert. Donc nous avons fait un partenariat. Après sa reconstruction ou bien sa restauration? Alors, il faut une reconstruction complète du centre d'art, c'est-à-dire que les structures dans lesquelles on évolue aujourd'hui ne sont pas du tout vouées à rester telles quelles. Mais le centre d'art ne dépend pas de... Est-ce que le centre d'art, excusez-moi, dépend également du ministère de la Culture? Non, le centre d'art, c'est une institution privée, reconnue d'utilité publique, donc qui a été reconnue par l'État pour son bon travail, mais c'est une institution privée qui a un conseil d'administration, mais c'est indépendant. Vraiment que c'est une très belle exposition, mais comment, par rapport à cette société du moment, hein, des fois il y a des manifestations, excusez-moi, sans pouvoir faire de la politique, comment est le marché, plus ou moins, parce que les artistes qui sont vivants se plaignent, on voit pour ceux qui sont morts, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver à gérer leurs œuvres, tant sur le plan national et international, ça va être comme une victoire à la Pyrrhus. Et vous, madame, étant directrice du centre d'art, vous avez connu d'énormes dépenses, etc. Sans pouvoir trop rentrer dans les détails, j'aimerais bien. Alors, cette exposition, comme je vous le disais, ce n'est pas une exposition vente. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui auraient été intéressés. C'est à acheter. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. C'est bien une exposition patrimoniale. Okay. Et la collection du centre d'art me semble tellement précieuse. Et qu'elle ne sera pas en vente. Maintenant, le centre d'art va recommencer des activités d'encadrement des artistes et de promotion de ces artistes contemporains, et évidemment les mettra sur le marché. La stratégie du centre d'art depuis 3 ans de réouverture, ça a été d'aller de manière progressive, sagement mais sûrement, et pour faire les choses correctement surtout. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour aborder la question du marché. De réfléchir à une série de paramètres, que ce soit les copies sur le marché, les aspects légaux sur les droits d'auteur, les moyens de toucher un marché de haut de gamme et de ne pas seulement promouvoir l'art haïtien comme un art de tourisme. Mm-hmm. Donc en fait, c'est vraiment la prochaine grande question avec la reconstruction du bâtiment du centre d'art qui va nous toucher pendant les prochaines années. Bon, excusez-moi, on parle français. Ma petite question, que vous en prie, que vous en prie.
parce que moi, nous parlons de l'autre. Même si on est en voyage dans le pareil, comme si quand on client venait, on collectionneur venait. Ok? Parce que Jasmine Joseph là, c'est mon petit bagage qui est son gros, un grand artiste. Ok? Pas un grain pour pas qu'elle même arrive à vendre. Non, nous-mêmes nous pas vendre, mais on est sûr que il y a des collectionneurs et des spécialistes de Jasmine Joseph qui viennent des œuvres de acheter, que peut-être tu as acheté. Bon, mais c'est ça, mais... ça pas vendre. Ah bon? Parce qu'il y a un bagage, il y a un bagage. Avec mon patrimoine. Exactement. Il y a un bagage qui est essentiel, c'est que pour une collection du centre d'art, au moment donné, il faut le river, au moins en partie là-dedans, il est inaliénable. Parfait. C'est ça, il dit. Pour musée le noyau. Il faut qu'on arrive à garder les papiers. Voilà. Et Jasmine Joseph, définitivement, il y a un artiste qui est tellement rare à l'achat et qui est tellement précieux pour le centre d'art, parce que c'est un artiste emblématique, centre d'art. Nous ne pouvons pas vendre un tableau centre d'art. Faut, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 années, au capable où elle. Toujours. Et même vous avez des choses quand même à Jasmine. Tout à fait. Donc, bien sûr, il y a un bas. De mettre en valeur la vie de Jasmine Joseph à travers les archives du centre d'art. Donc dans ces... il y a deux tables, une en bas et une en haut. On peut voir à la fois des photos de ses œuvres, donc là c'est des œuvres sculptées. Là il s'agit du pavillon qui avait été sculpté par Jasmine Joseph à la résidence de Pierre Monosier qui est à Bizoton. Exactement. À Bizoton. Et ça existe encore en fait. J'ai eu l'information il y a quelques semaines que ça existait encore. Et donc, également des lettres, des échanges sur le travail de Jasmine Joseph en tant que sculpteur et des photos de lui dans son jeune âge. Donc, on a vraiment pu retrouver. Et si vous pourrez voir que cette petite girafe est la même que celle que vous voyez en bas dans les sculptures exposées. Vous pouvez voir également qu'on a fait un travail de publication. Vous parliez tout à l'heure du marché. Eh bien, travailler sur des publications et du contenu, c'est essentiel pour valoriser les artistes haïtiens, que ce soit des artistes défunts. Est-ce que d'après vous-même, vous pensez que et cette exposition de Jasmine Joseph, ça va donner, ça va ajouter quelque chose de plus hein, au niveau de la peinture haïtienne, bien que c'était déjà fait, ça va augmenter plus ou moins l'image, mais ça va donner une image en plus à la société, à la peinture haïtienne, par rapport, je dirais, j'assume cette responsabilité, par rapport à cette dégradation culturelle. Cette exposition, c'est comme, on dirait, c'est comme un coup d'éclair. Dans la peinture haïtienne. Ben, je pense que chaque exposition qui est bien menée, bien orchestrée et pour lesquelles on laisse des traces, que ce soit des traces visuelles ou que ce soit un catalogue, chaque exposition qui est bien orchestrée, c'est très important de préciser, va apporter quelque chose à la peinture haïtienne, au marché de l'art haïtien. Et surtout si on permet aux jeunes générations et à un public large de visiter les expositions, il me semble qu'un travail de ce type peut vraiment participer à redorer un petit peu l'image de l'art haïtien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Si je ne me trompe pas, que c'est pour la première fois qu'une chose pareille s'est produite. C'est comme si, je dirais, c'est le tonnerre, où il y a eu à peu près de 1300 étudiants. Oui, on a eu à peu près 1300 étudiants et à peu près 700 personnes individuelles qui sont venues au cours de ces 6 semaines. Ouais. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire. C'est pour la première fois, si je ne me trompe pas, c'est pour la première fois qu'une chose pareille s'est produite depuis après le séisme. Hein? Mais vous travaillez beaucoup, madame. Bon, on essaye. Vous travaillez beaucoup, je crois que vous avez une très bonne équipe. Oui. Mais et le côté financier, comment que ça fonctionne pour vous? Alors on est soutenu par deux partenaires principaux, la fondation Connaissance Acte Liberté, FOCAL, qui est une fondation haïtienne, et la fondation Daniel Elina Carasso, qui est une fondation française. Donc là, ce sont nos deux grands partenaires principaux. Et puis localement en Haïti, on a obtenu un soutien également de la coopération suisse, et pour cette exposition de l'ambassade américaine. Voilà. Bon, et j'allais vous dire, et pour la reconstruction du centre d'art, est-ce que vous n'avez pas pensé à faire sculpter quelques têtes de concernant des artistes, des bus, tels que Ludovic Bouze, Jasmine Joseph, etc., juste pour
là, il y a quelque chose, semble-t-il. En fait, c'est clair que la reconstruction du centre d'art impliquera des éléments artistiques. Maintenant, vous observerez ça aussi dans toutes les décisions qu'on a prises pour aménager l'espace. Il est important dans un lieu d'art, puisque les expositions tournent et changent régulièrement, de ne pas non plus mettre trop d'éléments, ni de surcharger le bâtiment, et de rester dans quelque chose d'assez sobre, qui puisse à chaque exposition prendre en fait... Comment fonctionne ? Donc en fait, au niveau des archives du centre d'art, c'est presque surprenant la quantité d'archives qu'on a été en mesure de retrouver. Et c'est un des premiers chantiers qu'on a réussi à aborder en 2015 grâce à Archivistes sans frontières, qui est l'association française qui nous a donné un coup de main. Et donc, à deux reprises, en fait, on a fait plusieurs mois de travail avec cet archiviste et on a réussi à inventorier, classer, numériser une bonne partie de nos archives et de nos photos. C'est bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au centre d'art. Si je veux mettre l'internet. Non, pas sur Internet, parce que les archives ne sont pas encore disponibles au grand public. Si je vais sur mon laptop et puis j'ai mis du centre d'art, est-ce que je vais avoir tous les renseignements du centre d'art, tous les renseignements? Oui, bien sûr. Donc si vous allez sur www.lecentredart.org, vous trouverez toutes les informations. Même le jardin Joseph. Exactement, vous pouvez les biographies d'artistes. Tout à fait. Et pour les archives, si aujourd'hui des chercheurs, des étudiants, des universitaires veulent venir rechercher, travailler sur certains artistes, aujourd'hui à travers un mot-clé, on peut aller retrouver directement les archives qui concernent un artiste. Si quelqu'un, parce que je n'arrive pas bien à mémoriser, c'est quoi? Donc c'est www.lecentredart.org ou sur le Facebook, le Centre d'Art, et vous allez liker la page et vous pourrez voir toutes les informations. Sur ce que je m'arrête en vous disant merci pour cet entretien que vous avez accordé, ombre et lumière. Vous êtes toujours la bienvenue parce que vous faites un travail extraordinaire sans avoir vous flatter. Je suis ainsi parce que je me laisse toujours contaminer par les bonnes choses. De toute façon, chère madame Louise Téchon, je tiens à vous dire bonne chance et du courage. Ombre et lumière sera toujours avec vous. Merci beaucoup. Là, on s'interrompt. Merci beaucoup. Ombre et lumière. Ah, oh, oh. Je tiens à vous remercier pour les minutes que vous avez passées ensemble avec nous. J'attends quand même vos suggestions. Il ne faut pas oublier, c'est un début de cette émission. Cependant, pour bientôt, il y a d'autres choses que vous aurez la chance à découvrir. D'autres artistes peintres, d'autres collectionneurs d'art et d'autres galeristes. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont patronnés pour cette émission. La Galerie Nader, qui n'est qu'une référence dans la peinture haïtienne, qui se trouve à la rue Grégoire au numéro 50. Mag Art de Margui Dulcé, qui a décoché le prix Afoka à Paris en 2013, de par son studio, son magasin qui se trouve à la rue Hugo numéro 24, là que vous allez découvrir des habits extraordinaires qui seront à votre portée. Je ne vais pas oublier à vous voir saluer également Michel Chateil, l'un des grands designers en Haïti, hein, et pourquoi pas, qui sera accroché à notre émission pour bientôt. Merci et au revoir. Ombre et lumière. Ah, oh, oh. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60 116 Digital Cable Téléméga Star avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière.
le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice.